poignard, mon poignard, ma virilité, mon papier, c'est ma femme, mon arme, mon poignard, ma virilité, ma liberté. Mon papier, c'est ma femme, mon arme, mon poignard, ma virilité. Ah, on est toujours là, on est toujours là. Non, mais tu peux le garder, je pense qu'il est bon. Non, mais c'est bon, toi, c'est bon. Franchement, les Français, on peut leur faire confiance, hein, pour tout donner, là. Franchement, c'est l'exemple, quoi. Merci, jeune homme, on se revoit tout à l'heure. C'est un modèle à manger. Voilà, la musique, ça marche. Tout le monde est là, on est toujours là pour gagner des papiers. Voilà. On a dit, à qui on continue. Donc, des questions. Des questions. Oui, le blond, oui, le blond là. Des questions. Voilà, oh, des questions sur la France. Alors, peut-être qu'il a écrit des questions là-bas. Donc, rien comme toi, je le fais comme toi. One, two, one, two. Bon, d'accord, le grand n'est pas là, je me sers un peu. Ah, vous savez, j'ai appris les dernières 4 semaines, hein, sans arrêt, sans arrêt. J'ai appris tout. Moi aussi. Ah, tu es là, vous savez. Tu as commencé avec quoi? Moi, la géographie. La géographie, tu crées la géographie, voilà ça. Tom. Oh. Ça marche pas aujourd'hui. Il y a des questions là-bas? Bon alors, on est là, pas tout pour l'anglais, mais pour les papiers. Alors dis-moi, quelles sont les collectivités territoriales en France métropolitaine? Hein? Dis-moi. Les départements. Ouais, j'écoute. Les cantons. Alors tu as quelques Français autour de toi. Peut-être tu peux demander. Les communes, les régions, les. Ah, ouais, les régions, c'est bien. Ouais. Alors, dis-moi, pose-moi une question. Je sais tout. Culture, littérature, ce soir, tout est là. Écrit Les Misérables. Qui a écrit Les Misérables? Allez-y. Victor Hugo. Ah, ouais. Voilà, là. Alors, peut-être il y a encore des questions ici dans le. Ah, alors, ça suffit, ça suffit. Que seulement les Français. C'est bon, non, c'est bon. Il n'y a plus de questions. Allez-y. Non, mais vous laissez pas importuner, hein. Ah, c'est non, vous, ça c'est... Non, donne-moi ça, c'est fini. Alors, toi aussi, va poser ton micro, là. Gérard le Blanc. Merci. Merci à tous. Bonsoir à vous tous qui êtes là-haut. Je suis désolé. Il faut venir ici. Hein. Les questions. Oui, vous êtes impatients, je comprends. Bien, merci à tous d'être toujours avec nous pour notre grande finale de Tout le monde veut rester sur place. Je le disais, c'est la finale. Et vous le savez, chers candidats, la finale, c'est le moment de la question... Super Banco. Exactement, c'est-à-dire celle qui vaut le plus de points de toute la partie et qui est susceptible de renverser tous les équilibres. Donc, mes chères joueuses, mes chers joueurs, s'il y a bien un moment où il faut tout donner, c'est maintenant. Car si vous répondez correctement à cette question, la carte de séjour est pour vous. Alors, vous êtes toujours motivés? Oui. Yes, I am. Très bien. Donc, sans plus attendre, question super banque. Et ce soir, notre question Super Banco est une question musique. Pouvez-vous m'interpréter les premiers couplets de notre hymne national, la Marseillaise? Yes. Pamela.
Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, just give me a chance, baby, to rest in France. Just you and me, take me and you'll make it. Just you and me, j'ai l'air le jour de gloire est arrivé. For everybody, for you and me, stand up for the champion. Merci Pamela pour cette interprétation pleine de cœur. Et ça me touche beaucoup, Pamela. Malheureusement, je ne suis pas qu'un homme, je suis aussi présentateur. Et j'ai donc certaines responsabilités. Je suis désolé, mais votre version de la Marseillaise n'était pas correcte, ni au niveau musical, ni au niveau des paroles. C'est difficile le français. Je sais que c'est dur, je sais que c'est dur, Pamela, mais ça se mérite d'être français. Oui, mais vous savez aussi quel est l'enjeu de la question Super Banco, c'est qui tout double. Vous avez perdu, Pamela. Non, je suis désolé, Pamela, mais je vais vous demander de quitter le plateau. Non, ce n'est pas possible, Pamela, et d'ailleurs mon assistant va vous remettre votre aller simple pour chez vous. Pamela. Bon, on peut continuer. Oui, Herman a encore raison. C'est dommage que ça ne soit pas pendant les phases de questions. Merci, Pamela, et au revoir. Bien. Apparemment, Evita l'a déjà compris, ça fait une concurrente en moins. Donc réjouissez-vous, mes chers joueurs, vos chances de gagner augmentent. La question est toujours la même, et la main passe. Attention. Top ! Fatiha ! Je peux aller sur ici, là ? Allez-y, allez-y. Je ne sais pas si c'est très nécessaire. Si, vous allez voir. Je peux vous emprunter le micro, s'il vous plaît? Vous me le rendez, par contre. 1, 2, 1, 2. Wahni. Vous m'entendez? Oui. Oui, ok. C'est top, je peux commencer. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous? Féroces soldats, non, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Yeah! Formez vos bataillons!
Le pose. Bon, je pense que vous décidez. Fatiha ? Oui ? Puis-je vous poser une question ? Bien sûr ! Trouvez-vous ça drôle ? Non ? Comment ça ? Non, c'était fait sérieusement. Oui, avec mon cœur ! Votre cœur ? Alors, je suis au regret de vous dire que votre cœur n'est visiblement pas français. Parce que ce à quoi je viens d'assister n'est ni plus ni moins qu'un affront fait à notre hymne. Cet hymne bicentenaire pour lequel des centaines de milliers de nos jeunes héros sont tombés au champ d'honneur et que vous vous déshonorez. Vous venez de cracher sur 200 ans de culture française avec vos you-you là et vos danses nord-africaines. Ça veut dire j'ai perdu. Évidemment que ça veut dire que vous avez perdu, Fatiha. C'était pas trop mal, c'est... Herman, je ne vous demande pas votre avis. Fatiha. Oui. Vous êtes d'humeur taquine. Vous le savez très bien, ça a été dit et répété, ce sont les termes du contrat que vous avez signé avec notre production. La sortie des perdants se fait par l'escalier central. Donc, rejoignez maintenant l'escalier central. Là, maintenant ? Oui, là, maintenant. Tout de suite ? Tout de suite. Tout de suite ! J'ai perdu, ça veut dire ! Évidemment, oui. Moi, je vais te tuer, je vais m'avoir ! Moi, je vais la carte de séjour ! Sécurité ! Sécurité ! La carte de séjour ! Sécurité, merde ! Alors, donne-moi ! Attendez la carte ! Attendez, allez, abrite-la ! Ou abrite-la ! Attendez la carte ! Dans les campagnes, mugir.